Ok, c'est parti. On va pouvoir commencer le stream. Donc, bah pareil, nouvelle campagne, solo. On va rejoindre un matchmaking. Partie au hasard, hein, tant qu'à faire. Toujours en multijoueur, bien sûr. Donc j'ai découvert le mode du jeu en version smartphone, parce que le jeu, Ubisoft a sorti un petit bonus version smartphone, assez sympa. Là, cet après-midi, j'ai découvert sur ma tablette et franchement j'ai un petit peu joué, j'ai pas encore réussi vraiment à tout synchroniser avec, mais le peu que j'ai fait c'est déjà pas mal. Alors là je suis dans une contrée que je n'ai pas encore visitée. On va déjà aller là pour voir ce qui se passe. On va essayer de se déployer. Ouais, je pourrais me déployer. Non, c'est plus rapide. C'est toujours long, par contre, les temps de chargement. D'accord, on m'indique un... On m'indique une région où aller. Ah, pourquoi pas, on va aller dans dans cet endroit-là. Je connais pas du tout cette région, c'est la première fois que je la fais. Tout cas, il pleut, il fait pas beau. Apparemment, il a l'air d'avoir des dégâts là. Là-bas, on va examiner ça. J'en vois un autre.
Ok. On va essayer de se les faire. Hein. Alors. On va essayer de se les faire discrètement. Je vérifie juste. J'ai toujours pas mon retour, bien sûr. Mais toujours du temps à arriver ce retour. Bon, je peux au moins voir le chat, c'est déjà ça. J'en ai un. Angle de tir parfait. Et voilà. Voilà qui est réglé. Quelques rebelles de libérés, hein. Toujours ça de prix. Où trouver ces marchandises. Ils nous renverront l'ascenseur plus tard. Apparemment, il y a un truc à faire par là-bas. On va laisser passer le camion là. Ok, il y en a un par ici. Deux autres ici. C'est qui ils sont? Il y en a peut-être un à l'extérieur. Hein. Ok, il y en a un là. Je repère une batterie fixe. Je viens d'en voir un avec des pistolets mitrailleurs. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre?
Il appelle un hélicoptère, il m'a dit. Bon. Bah vas-y, appelle, hein. Tu veux appeler un hélicoptère, te prive pas surtout, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'arrive toujours pas à voir mon retour là? D'ici. Sniper, en haut de la tour. Se mettre derrière la voiture là, se planquer un petit peu, voilà, on va l'interroger Je ici. t'écoute, fillette. Ça va, c'est bon, je vais parler. Un connard de... Merde, que quelqu'un l'aide. Le drone est actif. Mais où? Ok. Bon, est-ce que mon putain de retour fonctionne? Non, toujours pas. Ah là là. Pas de chance aujourd'hui. Ok. Baliser ça. Le carburant, c'est toujours bon à prendre. Il y a d'autres trucs à prendre, je crois, par là. Voilà, il y a du carburant, des trucs à prendre là. Y a de la bouffe. Ok. Par contre, le carburant, j'en ai pas énorme, hein. Un coup de 50.
C'est tout ce qu'il y a récupéré là-dedans. Ah non, il y a un truc aussi là-bas. Hein. Il y a deux trucs à récupérer là. Ah oui. Quand même. Ok, et il y a un truc là. Allez, force. Bon, je vais quand même vérifier si mon retour est toujours présent. C'est pas normal que j'ai pas mon retour là. Vraiment, ça devrait s'afficher. Hein. C'est vraiment pas normal. On va essayer de l'avoir ce truc. On va demander un véhicule. Ah, c'est EA pour changer véhicule blindé ou hélicoptère, d'accord. Ça, c'est pour demander un hélicoptère. On va chercher notre ami qui est par là. Il est loin ce point de compétence. On n'a pas un plus proche là? Ah, si, quand même là. Celui-là, il est plus proche. Ouais. Ah merde! J'ai appuyé sur E comme un con. Bah oui. J'ai largué mon hélicoptère comme un con. Bon les amis, il faut que j'aille au Washington Club. Je reviens tout de suite, j'en ai pas pour longtemps. Je vous mets peut-être un petit peu de musique. Avec, ça sera mieux.
nous mangeons des nourritures. Bon, je reviens sur la partie. On va reprendre. On dirait qu'il y a un truc à faire par ici là. Il y a l'air d'avoir une petite mission là. Petite mission à faire qui a l'air sympa, sympathique. Voilà le convoi. Hello. Bowman, on entend parler d'un lieutenant du cartel prénommé Salazar. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Henri Salazar, le petit chéri à sa madre Coca. Répète ça. Grosso modo, Salazar avait 17 ans et il bossait dans les champs quand la madre Coca a pris le contrôle de Tabacal. Elle s'est entichée de lui dès le départ. Comme quoi, il lui rappelait son vrai fils. Ah bah voilà mon. Elle lui a enfin. J'ai mon retour, c'est pas trop tôt. Pile de pneus autour du cou avant d'y foutre le feu. Depuis, Rory est à la fois son fils adoptif et son bras droit. Un cocalero respecté du nom de Chap. Fait vraiment confiance. Si on l'attrape, elle aura plus que ça en tête. On va voir ce qu'on peut faire. Ah, ok. Alors, il est où le B? C'est celui-là. I call the helicopter. Ok, bah vas-y, conduis. Ce que fait notre ami, j'attends qu'il décolle. Hein. Peut-être changer, je pense ça. Ouais, tiens. Je ne connais pas les options du microphone. You must use the interface. Il est autant de coke aussi efficacement, il doit aussi avoir une logistique bien rodée. Et vu qu'on a détruit les petites caches, ils savent qu'on vient taper la grosse. Mais là, on parle de tonnes et de tonnes de coke. Un volume pareil, c'est déjà chaud à déplacer.
Alors des montagnes de cocaïne encore plus. Si le cartel nous a prouvé une chose, c'est qu'il est capable de tous les miracles avec la coke. S'il veut transférer une montagne de poudre sans que personne s'en aperçoive, il trouvera un moyen. On a intérêt à se manier de trouver cette cache. Voilà le convoi. Faites gaffe, ça va péter. J'ai Salazar en visuel. Cible désignée. Il faut qu'on le prenne vivant. Leur officier fout le camp. So, sorry. Merde. Si c'est moi qui suis mort. Oui. J'ai pas trop compris là ce qu'il voulait faire, le monsieur. Hein. On dirait qu'il fait nuit, il fait sombre, mais il fait pas nuit encore. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu sombre hein, quand même. Ça va tout le monde? Attention, on s'approche de la cible. Putain, on peut faire passer un paquet de matos par ces rails. À une époque, ça appartenait à Elia Pacafé. Maintenant, c'est plus que de la coca et que de la coca. Il va falloir quadriller toute la cour pour trouver les stocks de coca. Ah putain, c'est chiant. Sur les entrepôts et sur le bâtiment principal. On crame tous les stocks. On n'a aucune vue là. C'est parti. J'essaie de regarder un peu à la jumelle. Attention, la gare de marchandises est surveillée par les Sicarios. Ça a l'air de se
cassé. Deux Français vont se barrer. Oh putain. J'avais pas vu cette ogive là. Les mecs, ils y sont allés un peu à la bourrin, quoi. Complètement à la bourrin. Je vais prendre l'artilleur. Pourquoi tu peux pas prendre l'artilleur? Merde. Qu'elle Mouro et El Sueño sont en guerre. Parce que Sueño a chargé Mouro de buter son propre frère. Après ça, Mouro a payé l'Unidad pour plomber Sueño. Forcément, ça s'est pas bien passé. Pas franchement, non. Du coup, on fait quoi? On laisse ces deux guignols s'entretuer? Si seulement. Le problème, c'est que Mouro est l'une de nos rares chances de serrer Sueño. Ils étaient meilleurs potes depuis l'enfance. On doit savoir tout ce qu'il sait. Compris. On chappelle Mouro avant que l'Unidad l'exfiltre de Bolivie ou que Sueño le tue. Attention, on s'approche de la cible. Putain, on peut faire passer un paquet de matos par ces rails. À une époque, ça appartenait à Ilia Pacafé. Maintenant, c'est plus que de la coca et que de la coca. Il va falloir quadriller toute la cour pour trouver les stocks de coca. Concentrez-vous sur les entrepôts et sur le bâtiment principal. On crame tous les stocks. Bien reçu. C'est parti. Regardez un peu la hauteur. J'avais entendu parler de la route de la mort, mais la voir en vrai, c'est tout de suite autre chose. Ouais, c'est ce qui s'appelle être au bord du gouffre. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un se vautre. Moi, même avec un flingue sur la tempe, je m'engage pas là-dessus. Je crois qu'on les a énervés. Attends, on est déjà traqué ? Ah putain, il est aux fraises. Ils ont un brouilleur. La cible est neutralisée. El Mouro se taille. On va le serrer, ce fils de pute. Il nous le faut. Attendez. Leur lieutenant essaie de s'échapper. On dirait que l'Unidad est pas venu en balade. Vas-y, quoi. Retour aux choses sérieuses. On va
va le serrer, ce fils de pute. Il nous le faut vivant, je répète. Attendez. Bah ouais, mais là, ils y sont allés complètement à la bourrin, là. Franchement, faut arrêter. Hein. Comment tu veux faire? Les mecs, ils prêtent pas le temps. Je vais essayer de rejoindre une autre partie. Si on s'approche de la cible. Je crois que ça appartenait à Elia. Mais maintenant, c'est plus que... On est retourné au salon là. Voilà. Là, les mecs, ils vont trop à la bourrin. C'est pas bon. Salut, comment ça va? Ça va bien? Bon, il me reste une petite demi-heure à jouer là. On va se déployer sur lui. Cible détruite. Faut pas mégoter sur la sécurité. Ok, on va le faire à infiltration alors. Activité ennemie, on se concentre. Le drone a décollé. Cible éliminée. Attention civile, c'est pas le moment de tuer quelqu'un sans le faire exprès. Ouais, j'ai vu ça. On peut peut-être faire des tirs synchro, hein. Ok, je suis positionné de l'autre côté là. J'attends que tu me donnes les instructions.
J'en ai un peu isolé, je peux peut-être me le faire. J'en ai un sur le viseur, tu me dis si c'est bon. Moi aussi j'ai une lumière là. C'est bon, on est encore soupçonné. Ok, j'ai le 1 là, en vue. Ok, on y va. Bon, bah c'est du propre. C'est par où qu'on descend là? Par contre, je sais pas par où il faut aller. Hein. On a atteint la caisse. J'envoie les coordonnées aux rebelles pour qu'ils la prennent. La prochaine fois, il faudra demander à larguer ça près d'Aristo. Ce sera plus facile. Ok, d'accord, je te laisse une minute. On va vérifier juste. Nouvel équipement. Tiens, j'ai pas vérifié. Tiens, tiens, tiens.
Ok, je suis planqué. Ouais, je me suis planqué parce que là, j'ai plus rien. Là, j'ai pas branché mon micro, désolé, vous m'entendez pas depuis tout à l'heure. Allô. Ouais, je t'entends là. Ouais, je baisse un peu le volume. Je vais un peu baisser le volume de mon micro là. Non. Bien, c'est bon. Ouais, c'est bon, je t'entends. T'as pas de saturation alors. Non, 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 pas de saturation. Ok, ben c'est cool alors. Bon, ben tu sais, Ghost Recon, moi j'ai du mal parce que la plupart des gars avec qui je joue souvent en ligne, les gars aiment trop se faire un bourrin tirer dans tous les sens et moi ça m'énerve. Je kiffe énormément infiltration, super pro. C'est vrai que ça prend énormément plus de temps pour faire des missions, mais il y a plus d'adrénaline quoi dans le style de jeu. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. Bon, je sais pas si tu as déjà fait autant de missions. Bon, moi je suis un peu. Je joue pas. Par rapport à mes heures de jeu, j'ai pas fait encore d'énormes missions. Mais je sais pas. Bah écoute, propose une mission. D'accord, ok, je vais prendre une mission et on va essayer de gérer ça. Sinon, tu joues plus tant, t'es disponible plus en le week-end, en soirée, la semaine. Alors moi, c'est simple. C'est 21h30. 21h30 à 22h30. On essaiera souvent de se prendre en soirée parce que moi après le boulot c'est à partir de 20h par là. Je vais prendre 20h. Ouais, moi c'est pareil. Je prends une mission pas très loin de là. Un tel analyser cette information importante. Ok, je pense que c'est pas trop loin donc on va essayer de faire celle-là. On prend une bagnole, je crois, 4. Bon, on va prendre celle-ci assez jolie. Ok, ça marche. Sinon, le jeu, tu le trouves comment? Bah, franchement, j'accroche bien. Hein. J'ai testé la version smartphone. C'est pas mal aussi. Voilà. Et non, il est super cool, le jeu. Ouais. C'est vrai qu'il y avait il y avait pas mal de bugs. Ils ont sorti des pattes quand même pour faire. Ce genre de rendez-vous, ça fait un peu amateur de la part de Soignon. Ça fait tellement genre le coup fourré de base. Je croirais presque qu'il est sincère. Arrête. Attends, c'est juste pas possible que ce soit réglo. Je parie qu'il aura posté des snipers pour nous abattre avant même qu'on arrive. Ou il aura foutu des mines à fragmentation partout dans la zone. En tout. Ça, aucun doute. Mais je suis quand même d'accord avec Holt. Il reste une micro-chance qu'il soit sincère. Et il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. À partir d'ici, on va commencer à la pied. Tu penses comment? C'est mieux, non? Ok, je déploie le drone. Ouais, ouais, effectivement. Je vais faire de même. Un peu plus proche. En plus, c'est la nuit, donc on aura un peu de petits avantages. Ouais, ils ont posé des alarmes, des trucs. Par contre, j'ai pas encore la vision nocturne sur mon drone. Pas sur le drone. Oui, oui, en principe tu peux, hein, en compétence, ajouter quoi. Ouais, moi je l'ai. Mais avec les gardes, l'unidad là, ça risque d'être assez complexe. Hein. Oh. Le mec il joue pas. Hein. Il joue pas. Hein. Bon, je sais pas quelle difficulté toi tu es, mais moi je joue à extrême. Hein. C'est encore plus complexe, mais bon, j'arrive à m'en sortir quand même. Je fais trop gaffe. Bah moi je joue en simple. Bon, je crois que là on a toutes les infos. Il y a un hélico là qui risque de nous. C'est un peu de brouillard.
Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il reste 2-3 gars. Un peu isolé là. Bon, on avance ensemble, non? Ouais. Je vais me faire le sniper. Ah merde, j'ai manqué. C'est bon, je l'ai eu. Alors là, c'est cul, hein. Ah, ils ont eu là. Celui-là, il était. Oula. Bon, on va se la faire, c'est pas grave. Ils sont assez nombreux. Hein. Bon, on va essayer de gérer. Regarde, il date, ça rigole pas. C'est un mec. Bon, on va reprendre. Je crois que on a un peu gaffé. Ouais, non, c'est moi qui ai gaffé. Non, c'est moi qui ai gaffé. Bah, c'est pas grave, ça peut arriver à tout. Donc, bon, on y va là. Je suis. Faut pas trop sur quel côté là. Sur quel côté? Ah ok, c'est bon. Ah, c'est bon, tu peux. Nous avons localisé l'assistant en chef d'El Cerebro. Il va peut-être nous permettre de remonter jusqu'à notre savant fou en personne. Là, tu me demandes de rejoindre l'assistant. C'est la même, non? Bien. Bah, je pense, hein. C'était quoi la tienne? Je pense que c'est ça, hein. Puerto Chico. En fait, c'est celle, tu vois, le bâtiment, là. Où on vient de se faire prendre, là. Je lui ai dit la direction qu'on est en train de prendre. Tu me suis là? Ouais. Ouais, je te suis. Ouais. Je sais pas si c'est cette mission que tu as choisie ou tu en as pris une autre. Voilà, c'est exactement là. C'est là. Ok. Là, c'est cette mission là. Ah, c'est cette mission là. En disant qu'on reste sur celle-ci. On va devoir encore déployer nos drones pour. Le drone est actif. Bon, là, je crois qu'il y a un mec là qui est assez. Point de batterie fixe. Putain, un mortier. J'envoie un autre. Ils ont posé des alarmes. Ouais, il y a des alarmes, il y a des gars un peu partout. Bon, à défaut, moi j'ai pas encore le sniper, hein, donc je me ramasse qu'ils ont un sniper. Ça veut dire que à longue portée, c'est toi qui vas devoir t'en charger. Hein. Sniper en haut de la tour. Ok, ça marche. Ouais, ouais, le sniper en haut là. Effectivement, sniper, c'est toi qui dois essayer de gérer. Moi je ramasse toujours, j'ai pas encore débloqué mon sniper. Un peu encore au début du jeu. Bon, sinon, je crois qu'on a pas mal d'infos là. À part s'il y a des gars qui se cachent un peu. C'est cool. Sniper en haut de la tour. Ok, ok, on va lancer. Ok, j'ai un sniper. Ça va, je l'ai pas manqué là. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai pas manqué ma cible. Après tout, tous les mecs pas. Ah, j'ai même pas de compétences là. Ouais. Je crois qu'on va. Voilà, on va prendre ta direction. Allons-y. Ok. Il y a un sniper là. Tout en haut là. Ouais, j'ai un autre sniper là.
Il y a un mec qui était un peu... Il faut faire gaffe. Je crois que celui-ci, tu peux aller le prendre avec les mains. Hein. Non, 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 non. Il y a un mec qui vient vers toi là. Ouais. C'est bon, j'ai eu le snipe. T'as eu le snipe, hein? Ouais, il est en haut. Tu peux prendre son snipe, hein? Ouais, ouais, c'est ce que je vais faire. Comme toujours. Par contre, il faut faire gaffe que les mecs... Voilà, super. Attaque, il n'a pas raté. Hein. Soldat de l'UNIDAD en visuel. Dis-moi où. Vers l'entrée du camp. T'as mis un silencieux dessus ? Ouais, ouais, j'ai mis toujours le silencieux. Ah ben... Il y a un petit bug sur cette arme. Apparemment, il est mort. Le mec, il est couché sur son arme et impossible de ramasser. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Ouais. Là, tu te fais les gars à distance et moi, je m'occupe des gars un peu plus bas. Ça marche. Là, je viens vers toi, là. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer ses marchandises. Ok. Hey, un soldat armé d'un pistolet mitrailleur, à l'intérieur du bunker. Non, je crois qu'on aura besoin de sniper là. C'est bon. C'est bon, j'ai eu le snipe. C'est bon, j'ai eu le snipe. Ouais, ouais. Je sais pas s'il y a une entrée de ce côté-ci. Ouais, il y a une entrée. Il y a un mec derrière nous là. Derrière ? Je ne vois pas. Hein. Bon, non, je suis un peu. Non. Ok. Oh, ouais, je vois. Vous pouvez la voir, hein. Le mec, il dort, le mec. Je vais le faire entrer dans son sommeil. Hein. Allez, le mec. Une balle. C'est bon. Ok, il y a un truc d'info qu'il faut que je prenne. J'ai les coordonnées d'une médaille que le cartel doit remettre à un sicario pour avoir tué 2-3 rebelles. Il y a deux mecs en bas là, je crois que tu peux les faire. Hein. Je sais pas si tu les vois. Un qui est tout seul dans son coin. Ouais, là je prends des ressources. Voilà. On a un autre ressource que j'ai pas pris ici. Ah ouais, le jeu est vraiment magnifique quand on se la joue comme ça. Rien à dire. Là, il y a une autre source, j'arrive pas à la voir. Il y a une autre quoi ? C'est pas sûr. Il y a un autre point de ressource là. Mais je sais pas où il est. Moi, j'arrive pas à le trouver. Hein.
Ah, je crois qu'il doit être plus en bas, mais il y a des gars après. Bon, disons qu'on va continuer à avancer. Ouais. Je crois qu'ici tu peux faire déjà mal. Hein. Bah là, j'ai un snipe. C'est bon, je l'ai eu. Ok. J'ai eu l'alarme. Voilà, c'est bon. Bon, allez, tu penses qu'on peut entrer de quel côté du bâtiment là? Je sais pas s'il faut qu'on prenne cette entrée-ci. L'objectif est derrière. Putain, c'est super de garder là, cette histoire. Alors là. Bon. Je crois qu'on va prendre cette entrée-ci. Déjà, t'as un mec loin là, loin loin devant, je pense que tu peux l'avoir ce mec. C'est bon, je l'ai eu. C'est cool. J'avais pas vu, là. Mais les mecs, ils aiment bien dormir ici, hein. Ça se passe trop la tête. Cible abattue. C'est bon. Ça va, tout va bien. Parce que j'ai un sniper récupéré quelque part. Ici. Je repère une batterie fixe. Il y a un mec ici, apparemment qu'on l'avait pas vu. Putain, ça. Lui, le mec, il a une arme de poing. C'est pas un sniper. Bon, c'est bon. Parce que là, on a fini. On se rapproche du bâtiment. Non. Il y a un mec juste là où il dort. Je vais un peu voir. Je sais pas si tu peux. Bah, je vais essayer de le voir. Ouais, essaye de le repérer. Et de. Je sais pas s'il dort le mec ou si c'est bel et bien. Donc si tu peux. Finir avec lui, c'est mieux, ça sera mieux. Hein. Il est fermé, il est fermé. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, je l'ai eu. Ouais, c'est bon. Cool. Alors là, nous sommes plus loin du bâtiment là. A priori, je vois plus aucune menace. Hein. Maintenant, il faut se rassurer. À côté de moi là, ah ok, je te vois. Il y a un mec là de ce côté à ta droite dans le bâtiment à l'étage. Faut que tu le marques. Je le vois pas là. Celui là en fait il est pas, il est statique, donc je pense même pas que ça sera un problème. Appelez-le. Ok, bien, tu vas effectuer.
Ok, faut que je fasse un détour pour l'avoir. Il dort ou il fait quoi, le mec? Ouais, je crois qu'il dort. Ah bah, de toute façon, ça va. Il faut en terminer. Si jamais il y a la lampe, sera le premier à se lever. Là, il y a l'hélico, là, je me suis couché. Ouais, ouais, c'est mieux. L'hélico m'a déjà fait tacter des missions. Là, voilà, le jour se lève. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Ok, c'est cool. Bon, qu'est-ce qui manque ici? Là, j'en ai tué un parce que il a nous repéré. Ah bon? Ah ben super alors. Il y a un point de compétence ici, hein. J'en ai trouvé trois. Avec des balises. Jackpot. D'après ce document, El Cerebro possède un atelier au fond d'un entrepôt. Allez, dans une base cool. Des cartels, pas loin d'ici. La mission est propre. Tu crois que c'est là qu'il fabrique des sous-marins? Sans accès à l'eau? Allez, pas si bien. Il peut y avoir autre chose. Le mieux à faire, c'est d'aller voir sur place. Bon, ok. De quel côté? Ok, je te rejoins. Ouais, ouais, il y a pas mal de trucs à ramasser là. Et on va prendre ce camp à Vietnam. Donc, il y a une médaille du cartel ici. Quelque part, j'en connais un qui va franchement tirer la gueule. Ouais, essaye de prendre tout ce que tu peux prendre là. Ok, bah je vais devoir y aller, l'ami. Parce que je me lève tôt demain. Bon, bah bon jeu. De toute façon, je t'ajoute à mes contacts en favori. Et puis, moi, je vais faire encore peut-être une mission et puis je vais me déconnecter. Ok, ça marche. A plus. Ça marche. Allez, à plus. Allez, moi j'y vais les amis, hein. Bon, je sais pas, ouais. De toute façon j'ai pas fait beaucoup d'audience là ce soir, mais pour celui qui m'a regardé, bah je lui dis à bientôt, si vous revenez quand vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, à demain.